Salut YouTube. Si tu vois cette petite bonne annonce, c'est que tu es sur une de mes vidéos challenge de novembre. T'es sûrement en train de te demander de quoi je te parle et c'est bien normal. Pour le mois de novembre, je me suis lancé un challenge de fou furieux et mis l'objectif de sortir une vidéo par jour. Bon, sauf le dimanche parce qu'il ne faut pas abuser quand même. Au programme, du Yugi, du Yugi, un petit peu d'Urban Rival et encore du Yugi. Je compte sur toi pour me soutenir chaque jour dans cette folle aventure et pour ça, tu n'as qu'une seule chose à faire c'est massacrer le bouton pouce en l'air, laisser un petit commentaire sous cette vidéo et bien évidemment t'abonner pour ne pas louper la vidéo de demain. Bon visionnage. Yo les J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Aujourd'hui, j'aurais beaucoup aimé, comme les trois semaines précédentes du challenge de novembre, mais simplement vous sortir un deck profile. Puisque la première semaine, je vous ai sorti euh, Tire Orcus, la deuxième semaine, je vous avais sorti un deck profile Dragon Link Beasted qui avait top au WCQ Bordeaux, et la semaine dernière, je vous ai sorti un deck profile Toon. Cette semaine, par manque de temps, j'aurais beaucoup aimé pouvoir vous sortir un deck profile euh, Merci fourrure mais euh, en sortant une vidéo par jour, j'ai clairement pas le temps de m'entraîner et d'apprendre les combos, de deck build, etc. Donc euh, plutôt que de vous sortir quelque chose qui est bancal, je préfère ne pas vous le sortir en fait, tout simplement. Et donc, euh, j'ai décidé de faire une petite banlieue liste prédiction. Alors, banaliste prédiction, c'est pour le titre de la vidéo. En réalité, euh, si c'est moi qui présente cette vidéo-là, c'est euh, une banaliste prédiction, slash blabla, slash peut-être qu'un jour on pourra, slash à mon avis, c'est vous avez compris, l'idée, c'est pas simplement vous dire, il y a ces cartes-là qui vont être touchées, c'est sûr, attention, euh, ou c'est certain que mon avis, c'est le plus juste, c'est pas le cas du tout. Encore une fois, je suis un joueur qui est plutôt un joueur euh, occasionnel compétitif. J'aime bien l'aspect compétitif, mais je suis loin d'être un gros joueur, j'ai jamais top dans des énormes WCQ ou des YCS ou quoi que ce soit. Donc, euh, mon avis euh, est sûrement subjectif, mon, ami, mon avis est également à prendre avec des pincettes. Mais, euh, mais voilà, j'avais envie de vous partager tout ça et puis de, de blablater un petit peu ensemble sur cette vidéo. Donc, bien évidemment, Évidemment, si vous avez des remarques à faire sur ce que je vais dire dans la vidéo, bah, n'hésitez pas. L'espace commentaire est là pour ça. C'est fait pour, hein, tout simplement. Mais gardez à l'esprit que je suis conscient que mon avis n'est pas l'avis le plus objectif du monde. Bien évidemment, cette vidéo fait partie du challenge de novembre. Donc à l'intérieur, et eh bien tout simplement, vous retrouverez un code de carte Market caché d'une valeur de 10 euros. Donc le premier qui le trouve et qui l'active, eh bien remporte 10 euros sur la plateforme. Et je pense que l'intro de cette vidéo est assez claire, assez longue. Vous avez compris ce qu'on va faire. On passe sur le second écran et on discute un petit peu de tout ça. Ok. Donc euh, j'ai sélectionné un, deux, trois. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 cartes, j'aurais pu en sélectionner plus, mais voilà, il y a des cartes, ça sert à rien de les avoir mises ici, je voulais juste faire un point dessus, il y en a d'autres, c'est une idée à moi, perso, je me suis préparé des baies sur le côté pour pouvoir relire certaines cartes, et bah, ce que je vous propose, alors je suis d'accord, parce que je me les étais préparé, je me les étais rangé, et puis là, je sais pas ce qui s'est passé, ça a sauté, euh, je vous propose de commencer par Perlerino, euh, donc c'est une carte Terra Elements qui dit... Que euh, tu peux ajouter, euh, quand elle est activée, un Terra Element ou un Visa Star Frost. Tous les monstres Terra Element et Fusion gagnent 500. Et s'il y a des cartes qui sont mélangées dans le deck, euh, du cimetière dans le deck, eh bien tu peux casser un sur le terrain en ciblant. Donc c'est quand même plutôt fort. Euh, alors, ça, impossible. Vraiment, euh, le deck est encore méta. Euh, Konami veut continuer de vendre Tirishizu, donc euh, jamais ils vont la bannir, c'est certain. Semi-limité, pour moi, ça n'aurait pas trop de sens, parce que. Du coup, ça changerait vraiment pas grand chose dans le sens où on a toujours Terraformation, etc. Le la toucher, ça serait. C'est un cas qui est possible, hein. mais pour moi, ce serait peut-être un peu une erreur. Ne serait-ce que pour montrer que euh, ben voilà, ils ont compris que Terra Element, si Jésus, c'était un tiers-zéro et que ben, ils commencent à, à freiner doucement sur... sur ça. Pour moi, la carte... Sera sûrement limité. C'est pour moi ce qui aurait le plus de sens euh, parce que, bah, qu'encore une fois, la carte en elle-même elle est super forte. C'est un terrain qui a quand même trois effets. Euh, on, on est loin des, des vieux terrains, euh, juste si tu l'actives, tous les monstres à quoi sont boeufs de 500. Là, cette carte là elle est, elle est quand même super forte et elle permet des interactions, des chaînes blocs ou que tu vas toi-même pouvoir choisir pendant tout l'adversaire pour protéger tes propres cartes euh, et, et toujours casser un en plus de, des effets de base de fusion. Donc franchement, c'est pas mal. Euh, et moi je dirais limité. Voilà, je je pense que l'imiter ça serait ok, on a toujours deux exemplaires avec une terraformation euh, donc, euh, donc euh, l'imiter ça, ça me paraît honnête, pour continuer avec les cartes euh, Terra Element, moi je dirais qu'il faut bannir euh, instant de fusion. Pourquoi Parce que payer 1000 pour invoquer un des monstres les plus forts du deck, c'est pas normal. <laughs> je jouais euh, je jouais euh, Eternal Format Orcust euh, avec 3 instants de fusion pour sortir Winda et euh, la carte était déjà forte à l'époque, elle était problématique, c'est pour ça qu'elle est passée à 1. Je crois pas qu'elle ait bougé, elle est toujours restée à 1 depuis Eternal Format et elle a jamais trop été re-abusée depuis, alors oui, on pouvait sortir le Renoncer aux milieux. oui, avec Anaconda, il y avait certains combos qui étaient sympas, qui pouvaient encore une fois sortir Winda, et ça avait de quoi la protéger avec Branded Fusion, par exemple, et bien, le, le Winda n'était pas cassé, enfin bref, t'as compris l'idée, mais... Elle a rarement été aussi problématique que maintenant. Pourquoi Parce que actuellement, deux joueurs chez de Shizu qui s'affrontent, celui qui touche instant de fusion, et eh bien il va bypass les bistèdes de l'adversaire. Puisque du coup, euh, ta Afnis sur le terrain, t'as Kit Kalo sur le terrain, eh bien pourra faire tous ses effets sans être dépendant du, euh, du, du, du bistède adverse ou du Didi adverse ou j'en sais rien. Et franchement, ça s'est de rien super fort. Parce que payer 1000 pour aller chercher la meilleure carte de ton deck et aller faire du CA, chercher euh, Tatrap, chercher cri, chercher Merli, j'en sais rien, chercher ce que tu veux dans ton deck quasiment. Euh, bah franchement c'est fort et euh, encore une fois ça ajoute une consistance qui est énorme mais une fois un qui permet trop de choses comme ça bah, c'est pour moi un problème en fait tout simplement euh, Donc il faudrait l'enlever soit tu la mets à 3 et t'assumes que c'est un problème et tout le monde peut en profiter euh, Soit tu la mets à 1 et, euh, et tu, tu la bannis tout simplement et tu fais en sorte que les gens ne, ne puissent pas euh, high roll sur euh, je touche instance fusion du coup je suis meilleur que toi euh, Continuons avec les cartes qui pour moi sont un peu en lien avec Thierry Shizu. On a Nessie. Alors pourquoi Nessie J'aimerais bien la mettre semi. Euh, déjà parce que c'est un Dark Aqua, donc on a vu que dans Element, c'est les Dark Aqua pour faire des fusions, c'est pas dégueu. C'est un des meilleurs, c'est le meilleur Danger en fait tout simplement. Euh, il est fort, il n'a pas une grosse patate mais c'est toujours ok. Ça permet de draw euh, de façon assez régulière quand même. Ça, ça ajoute une grosse stabilité au deck. Et euh, ça c'est la partie Terre Element qui en soi n'est pas tant un problème que ça par rapport au reste Mais c'est également un level 7 et euh, bah, ça s'est joué dans cache Tira en fait, tout simplement Pour l'instant cache Tira fait pas si peur que ça Mais avec le support Le fait de pouvoir spé des level 7 gratuit et de façon assez conséquente dans le deck Je suis pas certain que c'est une bonne chose de la laisser à 3 Donc à voir Moi je la mettrais bien semi au moins pour commencer à dire Ok on a vu qu'il y avait potentiellement un problème on, on commence à freiner. Si on s'est planté, on la remettait à 3 après. Pour l'instant, euh, qu'elle soit 2 ou à 3, on l'a vu, ça ne change pas des masses euh, les choses. Mais, euh, mais voilà. Bon, je, je la mettrai comme ça, à voir ce que ça donne dans le temps. Euh, Mystic Mine. Alors, ce que veulent les gens, c'est qu'elle soit ici. <laughs> ce qui est le plus probable, c'est qu'elle soit ici, si on était raisonnable. Parce que euh, je vois pas pourquoi. Enfin, ouais, encore une fois, on est toujours sur la même discussion qu'Instant Fusion, c'est toujours un peu pareil, si elle est x1, tu la touches, machin, sachant que Mystic Mine a beaucoup d'accès. Euh, ce qui, pour moi, elle sera le plus probable, c'est qu'elle ne sera euh, juste pas touchée, en fait, tout simplement. Parce que euh, on a vu que... J'ai l'impression qu'on a un peu changé de format. Et le format précédent, on avait beaucoup de decks qui dépendaient de, de... Sa win condition, c'était d'activer Mystic Mind. Ou sa win tempo en tout cas. Euh, Aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup moins le cas. Donc euh, je pense que Mystic Mind va encore passer une banlist et ne euh, sera pas touché. Euh, je pense que c'était vraiment la ban list précédente où les joueurs attendaient vraiment que Mystic Mind soit touché Là, j'ai l'impression que les gens sont un peu moins focus là-dessus. Donc. Euh donc voilà, c'est mon avis. Je me trompe peut-être, mais euh, moi je dirais qu'elle ne sera pas touchée. Super polymorphisation. Euh, alors attendez, je vais la laisser ici. On va traiter de Super Pot. Super Pot qui a une carte euh, un peu NFR, PTDN, très bon set, euh, parce que l'adversaire ne peut pas répondre. Et aujourd'hui, on a des targets qui sont. L'ultra bateau, c'est c'est quand même assez incroyable. Alors, on a Mudragon, bien évidemment. On a Garoua, qui, qui, qui est un scandale, hein, sur le principe. La carte, elle dit, tu peux manger le bord de l'adversaire. Globalement, deux monstres du même type et élément. Il y a beaucoup de decks qui... Type et attribue pardon. Euh, il y a beaucoup de decks qui se mangent le super pot. Et si elle touche le cimetière bah tu vas piocher... Enfin c'est juste super fort. Euh, le cost de Super pot envoyer un hein, au cimetière, il y a beaucoup de cartes qui... de decks qui vont dire ok bah j'envoie une carte qui après activera son effet au cimetière. Euh, moi je la verrais bien un peu comme Nessie, genre semi-linité, c'est-à-dire que tu peux continuer de la jouer. C'est toujours ok, mais est-ce que ça commence à être rentable de laisser ses targets Target Superpo dans un autre deck qui dépend des fus Enfin, Par exemple, moi j'ai joué Superpo dans Toon, euh, je joue super Superpo parce que c'est trop fort, mais si là elle est à 2, est-ce que j'ai vraiment envie de prendre deux ou trois places ou peut-être quatre places dans mon extra deck pour une carte que j'ai qu'en deux exemplaires Tu vois, genre, tu, tu, tu commences à moins splasher la carte, et, euh, et c'est vrai que souvent Konami aime pas trop ça, donc euh, semi limité ça aurait du sens en vrai. Euh... Shifter. Alors. Euh, je vais la mettre là pour l'instant. Je, 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 je vais sûrement la, la changer. Shifter, c'est une carte qui, et vous l'entendez beaucoup, euh et un peu débile euh, un peu à l'instar de, de beaucoup de cartes du format mais celle-ci en particulier parce que euh, elle buff que certains decks c'est à dire qu'il y a des decks qui vont instant lose enfin instant passe turn sur shifter et il y a des decks qui ne le prennent absolument pas et qui en font même une force je pense à flunder par exemple ou Exorcister, qui globalement s'en foutent complètement et je trouve ça pas normal qu'une carte puisse aussi, aussi euh, variancer d'un deck à un autre peut-être que semi limité un peu comme euh, ils avaient fait un moment, je crois, en OCG avec Gamma. En mode, ils l'avaient mis. Je crois que Gamma est à 1 et 1 Driver. Je crois que c'est ça actuellement. Mais je crois qu'à un moment, Gamma, il l'avait mis à 2 pour justement essayer de la calmer. Peut-être que, euh, peut que Shifter pourrait être à 2 également. Je pense qu'elle qu ne sera pas touchée en réalité. Mais c'est vrai que peut-être qu'à 2, déjà, ça serait un peu plus. Allé... C'est déjà aléatoire que l'adversaire touche Shifter. Mais euh, Go 2, de bah, c'est quand même assez régulier. Et, euh, et, et, et cette carte-là, elle fait. Elle, elle emmerde trop de decks, même parfois des rogues dans le format qui, du coup, bah, vont juste pas pouvoir jouer parce que ton adversaire joue un deck euh, nul, mais il peut jouer shifter dans ce deck nul, et donc, du coup, le deck devient fort. Euh, je pense à Bête Cristalline par exemple, qui est un deck qui, qui profite énormément de shifter et necrovalet, euh, et qui, de base, est, on va pas se mentir, est pas super fort. C'est pas un mauvais deck, hein, attention, hein, le, le deck est sympa, il est marrant à jouer, et, et, et c'est toujours cool d'invoquer des, des grands dragons qui mettent des giga patates, mais. En soi, le deck est loin d'être un deck méta-tiers, tu vois. Et pourtant, si on rajoute Shifter, eh bien, il peut mettre une branlée à un tier 0. Donc voilà. Moi, je dirais peut-être semi-limité. Euh, ban, je j'y crois pas du tout. Hein, vraiment, on va pas se mentir. Mais semi-limité, pourquoi pas Sachant qu'en réalité, je pense qu'il sera juste pas touché. Mais bon, l'idée, c'était de discuter un petit peu, de parler un petit peu de tout ça. Donc, donc voilà. Euh, tant qu'on parle des piafs, parlons un petit peu de la barrière. Alors, jamais limitée, c'est juste parce qu'actuellement elle est jouée que x1. Euh, pour moi, Bayer est une win condition qui est un peu trop stupide, euh, un peu comme Shifter en fait, tout simplement. Euh, c'est pas normal de pouvoir autant bénéficier d'une carte aussi bête en fait. Je. J'aurais pu mettre le terrain Flunder parce qu'en fait, pour moi, Flunder peut prendre un hit, mais c'est pas sûr qu'il le prenne. Euh, et, et en fait, même s'il en prenait un, ça serait pas forcément justifié. Genre, est-ce qu'un hit euh, pour un deck qui, est si peu, qui fait si peu de résultats Alors, il fait du résultat, attention. Mais, genre, euh, par rapport au reste des decks méta, bah, il est peu représenté. Est-ce que c'est maintenant qu'il prendrait un hit Tu vois, genre, j'y crois pas trop. Euh, si elle devait être touchée, pour moi, il faudrait simplement la bannir. Parce qu'il la mettra 1, ça changerait rien. Et, euh, et il la mettra 2 encore plus. Mais si elle devait être touchée, il faudrait la bannir. J'aurais pu mettre à la place de ça, mettre le terrain Flunder et le mettre x1. Parce que du coup, ça toucherait la, la consistance du deck. Et, euh, et ça rendrait le deck un peu moins fort. Sachant qu'à côté, il a quand même euh, tous les pots pour piocher. Il a quand même. Enfin bon, il a pas mal de choses qui font que le deck est assez stable. On continue. Euh, sprite. Alors, Sprite, j'ai hésité à mettre Toad. Mais pour moi, l'air de euh, « Sprite est omniprésent dans la méta », etc., c'était plus euh, CDE CD, euh, bah, il de, de, y a quelques mois, en août, là. Euh, et, euh, et si Toad avait dû être touché, c'était cette banlieue qui le suivait. C'était pas le cas. Toad est joué x1. Je crois qu'il n'est jamais trop joué x2. Euh, J'avoue que je connais pas trop bien les listes Sprite, mais il me semble pas que ce soit joué x2. Pour moi, un des hits qui peut être intéressant, c'est « Starter ». Ou euh, ça aurait pu être Jet, parce que Blue, je vois pas trop pourquoi. Jet, ça aurait du sens, euh, parce qu'en plus, c'est une super, donc ça va d'un peu dans le sens de Konami de bah, on banne pas les ultras, tu vois. Euh, moi, je pense que semi-limité starter, ça aurait du sens, parce que, euh, parce que ça touche un petit peu la consistance de, 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 de Sprite. Et euh, sans autant euh, niquer le deck, tu vois. Genre le deck est complètement jouable. Sprite c'est un deck qui est quand même assez stable. T'as souvent des mains très très similaires. J'aurais pu parler de Hungler également, qui est souvent joué x2. J'aurais pu la mettre x1. Euh, ça aurait du sens également parce que t'as pas envie de l'avoir en main de départ. Et euh, ça rajoute une sorte de stabilité au deck, mine de rien, ces petits, euh, petits Angler mais, euh, mais voilà. Bon, je pense que semi-limité strike euh, semi-limité starter en vrai, ça aurait du sens. On commence à arriver dans les cartes un peu brosson Là, il a rien qui... qui... Est actuellement dans le jeu. vas il y a Call by. Euh, alors, Call by. Actuellement, elle est limitée. Je pense, vu le format en vrai, ça aurait du sens qu'elle passe une banne. Genre, qui genre, est à 3, en fait, tout simplement. Euh. Parce que, parce que Thierry Shizu, tout simplement. Maintenant, j'y crois pas trop. Et euh, pour moi, en limité, elle a pas vraiment de sens. Parce que cette carte-là, je la considère un peu comme une voleuse de game, entre guillemets. Euh, un peu comme un instant de fusion. C'est-à-dire qu'il y a des mains où tu sais que si t'as call by, bah globalement, t'as un power-up par rapport à l'adversaire. Et, euh, et, et c'est pas normal. Il y a beaucoup de joueurs qui pensent que ça serait logique qu'elle soit bannie. En fait, pour moi, elle peut pas être à 1. Sachant que à côté de ça, t'as des cartes comme, euh, comme les bisted ou, euh, ou des Belles ou jeux, ce genre de trucs. Alors je sais que c'est difficilement comparable, mais sur une vision très large, ça a un effet qui est quand même assez similaire. Euh, pour moi, c'est soit ban, soit unban. Euh, je pense que la probabilité c'est qu'elle reste juste là et qu'elle bouge pas du tout en fait tout simplement euh, parce qu'on n'a pas, en fait c'est un peu comme un stand fusion en fait c'était à peu près le même format où elle est repassée à 1, enfin à quelques, quelques mois après quelques bannis près, mais c'était dans, dans ces mêmes formats là et, euh, et pour moi elle bougera pas, mais c'est vrai que ça aurait du sens qu'elle soit non bannie, mais ça rajouterait beaucoup de puissance à certains decks qui, bah, du coup tu enlèves une des entrappes, alors actuellement on n'a pas fait un format qui est 3 hein, Mais euh, mais du coup pourquoi pas également la faire revenir parce que ce format -là. Et pas trop entrave, genre elle sera moins impactante, mais dans le temps euh, bah, tu bannes des Ishizu du cimetière. Alors, euh, si l'adversaire joue pas ichizou euh, si toi tu joues pas ichizou bien évidemment, parce que sinon tu te baisses toi-même, mais, euh, mais, mais pourquoi pas, tu vois, genre tu rajoutes, tu, tu freines vraiment l'adversaire. Pour moi, elle restera là, mais pourquoi pas, euh, voilà. Je vous explique un petit peu pourquoi, selon moi, elle pourrait revenir. Electromite, c'est Electromite, juste non, et je suis désolé pour les joueurs, euh, pour les joueurs, et eh bien tout simplement. Euh, Pendule euh, parce qu'avec Draco Slayer, on voit que ça fait des dingueries déjà avec la nouvelle euh, avec la nouvelle lien Donc je me dis que si on remettait Electromine déjà que ça donnerait accès à certains FTK qui seraient très 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 consistants autour de 2-3 entrap etc Et surtout on, on ferait des FTK euh, Pas FTK au sens où vous l'entendez genre je te burn etc Mais FTK au au, 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 dans le sens où euh, bah, tu poserais euh, 9 negates Ah t'as 6 cartes en main bah gros, euh, si t'as pas dark Roller j'ai gagné, quoi, grosso modo. Donc, euh, donc pour moi, c'est une carte qui ne peut pas revenir pour cette raison-là, et, euh, et, et, et du coup, bah, je vais être obligé également de mettre Harp ici, parce que j'aimerais beaucoup que Harp revienne, c'est un fait. Pour moi, cette carte-là aurait du sens de revenir, c'est-à-dire qu'elle ne se paie que 1 du deck, genre, c'est pas non plus euh, le truc le plus broken du monde, tu vois. Euh, et à côté de ça, Engage, il y a 2, etc., et il et, et y a plein de decks qui ont des cartes bien plus fortes que ça, mais avec les Les. C'est vrai que ça peut créer des situations où Orcus pourrait être très fort. Moi je joue Orcus Terra Element en main deck actuellement et le deck s'en sort déjà très bien. Donc si en plus tu avais accès à Harp qui spegir sous et en gros du coup ça veut dire que sur une random meule, bah, t'as tout ton spé, ton, ton board d'Orcus, bah ça peut peut-être un peu trop fort, tu vois. Donc peut-être que tant que Terra Element... N'est pas là. Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'elle soit là, hein, bien évidemment. Euh, à 1 ça serait largement suffisant. Ça aurait du sens. Ça serait pas non plus ultra broken dans la méta. Tant qu'on est sur une broken, une méta euh, contrôle cimetière, parce que parce qu'on va pas se mentir, les bisted c'est fort. Parce qu'on va pas se mentir, les Eshidoux, c'est fort. Donc, ça, ça poserait quand même pas mal de, de conditions au fait que Orcus soit pas à de nouveau méta. Mais pour moi, elle ne va juste pas revenir parce que, parce que ça pourrait éventuellement poser des problèmes dans la méta. Donc, euh, c'est donc une raison viable pour, pour qu'elle revienne pas. Masterplan. Alors, masterplan, on va relire l'effet ensemble. Je, je crois pas qu'elle soit super... Euh, super fumée, masterplan. Euh, une fois par tour, tu peux ajouter une carte mission spirale depuis ton deck à ta main. Cette carte est envoyée du terrain au cimetière, tu peux ajouter euh, une carte un monstre spirale ou un spirale ressort depuis ton deck à ta main. Et euh, accepte elle-même et tu peux utiliser euh, chaque effet qu'une fois par tour. Euh, alors j'ai pas trop connu euh, la méta à spiral. Euh, parce que je jouais pas trop méta à ce moment-là. Enfin je sais que ça fait des trucs, mais je jouais pas trop méta. Pour moi, ça aurait du sens qu'elle revienne à 1. Oui, euh, où il y a des combos avec euh, euh, Souls Magician pour aller la tuto, l'envoyer, machin et tout, tu peux en abuser, mais est-ce que cette, le fait que elle, elle revienne à 1, ça rendrait à nouveau le deck euh, méta euh, tier 1 euh, ou peut-être même tier 0 euh, que, comme il l'était à l'époque Franchement je pense pas, et ça euh, ferait plaisir à beaucoup de joueurs aussi, mine de rien, bah, un peu comme Harp au final, hein. mais, euh, mais ça aurait du sens, en fait, tout simplement, et... Euh, pourquoi pas, la faire revenir pour un. Ça ne surprendrait pas en tout cas si elle revenait, euh, parce que c'est parce que une carte qui est ok. Je pense pas qu'elle fasse des dingueries. Et encore une fois, je me trompe peut-être, mais très sincèrement, je pense pas. Euh, les Dragon Rulers. Alors là en l'occurrence j'ai mis Tidal. Euh, Tidal c'est le 1. C'est le, le plus fort des trois. Euh, cette carte-là, tu peux la spé de ta main ou ton cimetière en bannissant des deux water ou des dragons. Une fois par tour, tu peux... Alors si pendant le, la N phase de ton adversaire, elle remonte dans ta main. Et tu peux discard. Un, tu peux discard cette carte et un water. Et envoyer un monstre depuis ton deck au cimetière. Donc ça déjà c'est broken de ouf. Euh, ne serait-ce que. Euh, ne serait-ce que pour, pour bah, les decks Terre Element par exemple, parce que du coup tu pourrais jouer des hauts random qui ont des effets et du coup proc des effets de fusion au cimetière, enfin ça serait broken et, euh, et encore une fois c'est euh, des level 7 euh, je vérifie si c'est bien ça, 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, putain je sais pas compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais c'est ça euh, donc, euh, donc bah, pour la même raison que Nessie, pour moi cette carte là ne peut pas revenir et les cartes Dragon Ruler en règle générale parce que, parce que Tira donc, euh, donc on ne va pas donner du power up encore plus à un deck qui est déjà assez fort et qui va l'être encore plus au prochain aux prochaines matlist. Il y a Tempest qui est actuellement des et actuellement Tempest fait rien parce que, parce que Tempest c'est peut-être le moins fort des quatre. Il y a Redox qui aurait peut-être du sens à être des parce que pourquoi pas, mais, euh, mais ce qui est sûr, c'est que Tidal et le feu, c'est impossible qu'ils reviennent, et euh, parce, que, parce que ça créerait des problèmes, en fait, qui étaient déjà les problèmes qu'ils avaient créés à l'époque où c'était méta, tout simplement, et on finit avec le full controversé, qui, bah, naturellement reste ici, hein. je pense que cette carte-là ne pourra jamais revenir, on voit le nombre de joueurs incalculables qui se plaignent de Master Duel, euh, parce, que, parce que cette carte-là, elle fait passer des tours, en fait, tout simplement, si tu sais que tu vas faire des SP, est-ce que tu as vraiment envie de laisser juste piocher un à l'adversaire et essayer de contrôler ton terrain pour pas qu'il soit trop fort ou tu vas faire ton full board au risque qu que tu prennes full interruption ou que tu le laisses trop piocher et qu'il l'embarde trop fort pour moi cette carte là euh, ne peut pas être ici doit rester ici, c'est un fait. Euh, donc, euh, donc, euh, donc, en fait euh, donc, en fait, elle reste là, quoi, elle est juste bannie, elle reste bannie, et, euh, et globalement, c'est tout. C'est difficile d'argumenter autour de Maxé, parce que cette carte-là est controversée, il y a des joueurs qui disent que c'est bien, il y a des joueurs qui disent que c'est mal. Moi, selon mon avis, ça serait vraiment une mauvaise chose. Je sais que j'ai entendu beaucoup de joueurs me dire, mais bah, moi, Maxé, c'était un format où j'ai arrêté de jouer, parce que c'était un enfer. En fait, t'avais Maxé, t'avais gagné, t'avais pas Maxé, t'avais perdu. C'est pas normal, tu vois, c'est pas un format auquel j'ai envie de jouer, donc... J'ai pas envie qu'elle revienne en fait pour cette raison là et puis pour plein de raisons de, 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 du côté du côté un peu unfair que peut apporter Maxé lorsque tu l'as en main de départ. Et bien voilà pour cette petite liste prédiction. Voilà, on a traité quelques cartes, j'ai essayé de donner mon avis sur certaines cartes, etc. Peut-être qu'il y a des choses qui seront appliquées, peut-être que absolument rien ne sera appliqué et j'ai parlé dans le vent, on verra bien. En tout cas, ce qui est sûr c'est que moi j'apprécie le fait de pouvoir essayer de donner mon avis un petit peu sur la méta. Et si je me plante pas, bah, écoute, franchement ça sera plutôt gratifiant si je me plante. Bah, je l'aurais fait et ça m'aura amusé, tout simplement. On est sur la dernière semaine du challenge de novembre. Euh, ça commence à être dur, on va pas se mentir, mais c'est aussi la dernière ligne droite. Donc, naturellement, bah écoutez, on donne tout. Et euh, merci pour vos retours, le courage, etc. Je ferai une vidéo euh, statistique parce que vous verrez qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont changé sur, durant ce mois-là. Donc, euh, donc, voilà, j'espère que quelqu'un parmi vous a pu activer le code de carte marquée d'une valeur de 10 euros. Bien évidemment, ça me fait plaisir de pouvoir vous offrir tout ça. Et sans plus attendre, je vous embête plus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, en tout cas, le pouce, le commentaire et dites-moi un petit peu ce que vous pensez. De tout ça Est-ce que vous auriez ajouté d'autres cartes Et si oui, pourquoi Et si oui, quoi Et, et, et qu'est-ce que ça aurait impliqué dans la méta, etc. Je serais vraiment très curieux d'avoir vos avis et vos retours sur le sujet. Prenez soin de vous, faites nombre de duels et collection de cartes. Et surtout à bientôt, les potes. Allez, ciao